Les McLaren vont-elles danser le tango à Buenos Aires ce week-end? C'est la question qui brûle les lèvres de tous les spécialistes. En attendant, Racing vous propose un bref retour sur le Grand Prix d'Argentine de l'an dernier. Retour également sur la première course de John Svensson. Après la Formule Ford, Svensson découvrait la Formule Renault. Mais avant tout cela, une large page de Procar avec le concours volant 106 et bien entendu le TSD à Francorchamps où nous avons enfin pu découvrir la plupart des animateurs du championnat 98 et selon la formule consacrée, Procar, c'est parti. À moins de 15 jours de la première course à Zolder, le championnat Procar se met en place. Lors du test day le week-end dernier à Francorchamps, on a pu enfin découvrir la plupart des forces en présence. Tout est nouveau en Procar, sur le papier le championnat est plutôt prometteur, et du côté des organisateurs, on le sent bien. On sent venir en tout cas, et ça faisait longtemps qu'on l'attendait, ça fait quand même 6 mois que l'intersaison a commencé, donc c'est le début de la saison, et on le sent plutôt bien, parce que on espère avoir 22-23 voitures hors les 10 Peugeot 106 pour la première course, donc 32-33 en tout, et je pense qu'on va y arriver, avec 7 ou 8 marques différentes, c'est ça qui est important, des professionnels, des amateurs, beaucoup de jeunes pilotes, des néerlandophones aussi, donc je pense qu'on va atteindre nos objectifs d'ici quelques semaines. Grâce au nouveau règlement, qui est à peu de choses près identique à celui en vigueur dans certains championnats étrangers, le Procar attire cette année des Anglais, des Allemands et un team hollandais. Les BMW champions 97 en DTC, la compétition de nos confrères du plat pays, viendront chatouiller nos pilotes nationaux. Un nouveau challenge pour les grands blonds venus du Nord. L'an dernier, on a gagné le championnat hollandais. Je crois qu'on est capable de faire encore mieux maintenant. Se confronter à des gens comme Tassin et les autres rend le championnat vraiment intéressant. On va découvrir de nouveaux circuits, mais bien sûr, nous ne sommes pas totalement prêts. Si l'importateur BMW Belgique ne s'implique pas directement cette année en Procar, plusieurs teams privés engagent des séries 3. C'est le cas d'Étienne Bonnier qui a décidé de faire courir des jeunes, Fanny Naïx et Sylvie Delcourt sur une voiture et sur l'autre, Frédéric Bonnier et Mathias Vianne. Multiple vainqueur des 24 heures de chevaux, Étienne Bonnier passe à la vitesse supérieure. Je crois que je n'ai plus grand chose à apporter à mon fils Frédéric en tout cas. Mais c'est pour ça qu'on s'est adjoint la présence de Pierre Fermine qui lui, au niveau pilotage, explication, réglage de la voiture et surtout faire passer des explications aux pilotes est beaucoup plus compétent que moi. Côté BM, il y aura également la voiture de Frédéric Moreau, préparée et entretenue par son copain Olivier Lenné. La caisse n'est pas encore prête et Fred a rongé son frein ce week-end sur la pitlée. Je suis venu aujourd'hui justement pour voir un petit peu le niveau de la concurrence. Et comme il pleut, bon ben on ne sait pas se faire une idée très précise, mais je crois que vu que j'aurai une nouvelle voiture, j'espère viser les 5-6 premières places, j'espère en tout cas. Cette saison, les Opel sont de retour en Procar. Le team Mulner engage deux Astra, Emre et Neve se partagent le volant de la première, tandis que Martial Chouvel visera le titre pilote avec la deuxième voiture. Je dirais qu'a priori aujourd'hui, là, son point fort, mais je n'ai pas de référence, c'est la motricité. La motricité a l'air exceptionnelle, je suis vraiment surpris. Donc j'imagine que ça sera un point fort. Et votre point fort, la décoration peut-être? La décoration a fait très fort pour l'instant, elle sera actualisée pour Zolder, je te remercie. L'Astra est une voiture toute neuve qui arrive à l'heure actuelle sur le marché. C'est donc une voiture que notre confrère Stéphane Lemeret a testée sur la route et sur la piste, puisqu'il est l'un des pilotes du team. Il y a un point qui est étonnant de retrouver, c'est pas étonnant, c'est logique finalement. Il y a un point ici, comme il pleut au test day, normalement sous la pluie on a des problèmes de motricité, c'est-à-dire que les roues avant patinent, et comme sur l'Astra de route, on a une excellente motricité sur l'Astra de course. Et ça c'est un point vraiment très important sur les Opel en général, ils ont une excellente motricité sous la pluie, et ici ça se retrouve tout à fait sur la voiture de course, c'est assez étonnant. Dans le clan Peugeot, on attend beaucoup de la nouvelle saison. L'importateur est officiellement engagé en Procar. Le team Chronos est chargé de la préparation des deux voitures. Et on n'a pas fait les choses à moitié, puisque chez Peugeot, Hugeux et Rademaker ont passé l'intersaison au volant d'une voiture de développement avant de découvrir leur voiture de course définitive. Pour des raisons simples, pour des raisons de souplesse,
dans les tests qu'on peut faire au niveau des circuits, et avec les deux voitures de course, on peut toujours entre-temps encore aller faire des développements sur une troisième voiture, et qui en plus peut aussi nous servir de mulet en cas de pépin entre deux courses avec l'une ou l'autre des deux voitures. Côté pilote, Hugeu et Rademaker gardent donc la confiance de Peugeot Sport. Les deux hommes passent de voitures très évoluées et pointues à des 306 très proches de la série. Ils vont devoir adapter rapidement leur style de pilotage à leur nouvelle monture. Sébastien et Vincent vont se casser la tête et s'appliquer sans vouloir faire un jeu de mots facile, ça va chauffer sous les casques. Alors Vincent, satisfait de cette journée de test ? Avec la voiture et tout ça, oui, mais bon, le temps est vraiment pas avec nous parce qu'en fait, on n'a ni pluie ni sèche, ni piste sèche et on ne sait pas travailler parce que le pneu slick ne passe pas et parce que le pneu pluie ne passe pas non plus, donc on est entre les deux et on ne sait rien faire. Avec Thierry Tassin, vous êtes le seul des ex-pilotes FIA 2 litres à rouler cette année en Procar. Quelles sont vos premières impressions par rapport à la voiture ? C'est clair qu'au niveau voiture en elle-même, c'est beaucoup moins amusant parce qu'une FIA 2 litres est vraiment très très plaisante et à mettre au point et à conduire. Maintenant, on espère qu'on récupérera en tout cas sur la bagarre en course, parce qu'il y aura beaucoup plus de concurrents. Donc ce sera à mon avis plus plaisant pour le spectateur de toute manière. Avec les Mégane, Renault entre officiellement dans le Procar. Paul Simon s'engage deux voitures pour lui-même et pour Bart Head, tandis que l'importateur s'implique directement avec le team EMI et Pierre-Yves Cortals, tout content de son arrivée à ce niveau de compétition. Ça s'est passé au niveau de la matinée parce que c'était sous la pluie. Et on n'avait jamais roulé avec la voiture sous la pluie et la base de la voiture est excellente. Les amortisseurs qu'on a dessus ne sont pas encore réellement réglés, mais un peu comme tout le monde, j'ose dire, parce qu'on a plein de choses à régler. Mais sinon, la base est excellente, on était le plus vite ce matin, donc c'était bien. Novice parmi les pointures du Procar, Cortal s'est déjà à l'aise derrière son volant. Pour ce qui est des interviews, par contre, il y a encore du boulot parce que franchement, c'est parfois incompréhensible. Mais c'est pas vraiment les Hollandais qui nous aident, c'est parce que les Hollandais ont eu un développement de chez Sodemo en France, et ça fait 2 ans qu'ils ont ce développement et nous on bénéficie du développement de Sodemo, donc et ainsi, c'est pareil qu'avec Renault Sport France, on bénéficie du développement de Renault Sport, mais pas du on sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas quoi. On sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas quoi. On sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas quoi. On en a énormément parlé durant l'intersaison et effectivement les Honda Integra Tipper ont tenu leurs promesses puisque Tassin et De Groot ont réussi les deux meilleurs temps du test D. On est toujours content de réaliser le meilleur temps, enfin la séance n'est pas terminée, mais c'est vrai que ça se passe pas mal, la voiture, elle est... Dès le début, je me sentais bien dans la voiture, elle est très saine, très agréable à conduire, et même si c'est moins rapide qu'une Super Tourisme, c'est 20 secondes au tout moins vite, ça reste tout de même une voiture de course, et quand on est à la limite, ça glisse et ça va tout de même vite dans les virages, donc c'est aussi assez compliqué à conduire. Tassin reste un des grands favoris de la saison, même si la voiture et le team sont entièrement nouveaux pour lui. Sans doute, mais ça met peut-être plus de temps pour s'habituer, car il y a le côté humain, tandis qu'une voiture, c'est matériel. S'habituer à travailler avec des nouvelles personnes, avec que ce soit le patron de l'écurie ou l'ingénieur ou les membres d'une équipe, eh bien oui, ça met du temps. Et nouer des relations assez fortes, ça ne peut venir que progressivement. Si ça vient trop vite, ça risque de se casser. Renault, Peugeot et Honda, les trois importateurs directement engagés en Procar, devraient se partager les places aux avant-postes. Reste à espérer que nous n'allons pas tomber sur des McLaren en début de saison, mais dans ce cas, les promoteurs du championnat ont tout prévu. Eh bien, s'il y a des McLaren dans le Procar qui gagnent tout, on va demander la solution à Minardi. Effectivement, il y a toujours dans les courses de voitures des gens qui gagnent et des gens qui ne gagnent pas. Effectivement, pour les amateurs, on va trouver un challenge de telle sorte qu'on puisse récompenser chaque dimanche de course quelqu'un qui s'est particulièrement distingué. Mais il n'y aura pas de classe typiquement amateur parce que les voitures se ressemblent toutes d'une part et d'autre part parce qu'il y a quand même le système de poids. Donc les plus rapides seront pénalisés et donc au détriment de ceux-ci et à l'avantage des autres. Et le VW Audi Club dans tout cela, me direz-vous? Pour l'instant, rien d'officiel. Franz Dubois construit ses coques pour la Fun Cup et parallèlement à cela, il a reçu la mission de fabriquer 2 Golf version Procar. Un ordre venant en direct de VW Motorsport. De là à imaginer ses voitures sur nos circuits durant la saison, il n'y a qu'un pas. Bref, avec Nissan engagé de dernière minute, le Procar 98 s'annonce d'ores et déjà comme un grand cru dont vous aurez bien sûr de très larges échos dans le magazine Racing.
Le trophée 106, vous connaissez, c'est une coupe de promotion très disputée qui donne l'occasion aux jeunes pilotes d'acquérir une bonne expérience dans la cour des grands du championnat Procar. Peugeot l'a bien compris en organisant depuis 2 ans maintenant un concours pour gagner le volant d'une 106 pour une saison. Cette année encore, le succès est au rendez-vous puisque plus de 2000 candidats se bousculaient au portillon. La sélection a donc été difficile, mais comment en sont-ils donc arrivés là ? Tout d'abord, il y a une sélection qui se passe dans 7 karting indoor, donc simplement sur base de chrono. Donc les 2 meilleurs temps sont retenus. Ça veut dire qu'il y avait cette fois 14 candidats. Et donc 7 candidats francophones, 7 candidats néerlandophones qui ont été soumis à une pré-finale chez Pierre Lahoureux au centre de maîtrise automobile à Nivelles et qui lui a retenu en pré-finale donc les trois meilleurs candidats par communauté linguistique. Un tirage au sort détermine l'ordre de départ des 6 concurrents. Tout est déjà pratiquement en place. Le stress commence à monter, une épreuve déjà assez compliquée avant de commencer. Pour chaque pilote, une série de 4 descentes de la nouvelle portion du circuit de Francorchamps, dont 2 chronométrées. Des commissaires sont postés à chaque virage et donnent une cote en fonction des passages effectués. Autrement dit, chaque pilote possède environ 6 minutes pour montrer qui il est et de quoi il est capable afin de décrocher une saison complète au volant d'une Peugeot 106. Mais la pluie est au rendez-vous et rend la tâche encore un peu plus laborieuse. Il y a une façon de prendre la trajectoire et il y a une façon d'être agressif au volant parce que la course est quand même la course, quoi. Et de gérer un peu le tout parce qu'il faut aller très vite. Ils savent que tête à queue est éliminatoire, donc ils doivent être à leur limite en restant un peu en dedans et en faisant attendre. Certains obstacles ont été ajoutés sur la piste afin de mieux simuler les différentes trajectoires possibles au volant d'une voiture de course. Le sol glissant oblige chacun à être sur ses gardes tout en essayant d'accrocher un temps satisfaisant. Cela se passe évidemment sous l'œil avisé des commissaires qui apprécient le sens de la trajectoire et les aptitudes de pilotage des novices. Mais c'est aussi sous le regard des parents que les concurrents se donnent à fond. Enfin, au terme de cet ultime test, les commissaires doivent délibérer et se mettre d'accord sur les 2 gagnants du volant, un francophone et un néerlandophone, qui auront le bonheur de participer à la Coupe 106 Cru 98. Cette délibération donne encore un peu plus de suspense, tant l'enjeu est intéressant. Le résultat sera bientôt connu de tous, mais pour les intéressés, la patience a des limites. 16-40. Dans la même série, groupe 2. Oui. Numéro 5. Eh bien, une de 19-80. Et le 6. Le gagnant du petit francophone s'appelle. Hubert. Nicolas Schiffmann. Du côté néerlandophone, le suspense est encore intense. Eric Groes n'ose pas y croire jusqu'au moment où. The Netherlands Starting Blind, the winner is. Eric Groes. Et voilà, si pour les 4 autres le rêve vient de s'écrouler, pour les 2 vainqueurs du volant, Racing leur souhaite la bienvenue dans la cour des grands. Bon, on verra déjà dès la première course comment ça va se passer. Je suis très 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 content. Bon, oui. Entre les 2 premiers, donc il y a un candidat néerlandophone et francophone, c'était très serré. Et ça va être intéressant parce que, comme les 2 pilotes sont forts dans les mêmes temps, pendant l'année, ils risquent d'être bien mis à la fin du championnat. S'il y avait eu un des pilotes qui aurait été beaucoup plus rapide, ils pénalisaient un peu l'autre. Et ici, c'était bien. C'est l'idéal pour un début de championnat. Et voilà, Nicolas Schiffmann et Eric Groes vont donc affronter tous les autres côte à côte cette année. Il y aura donc de la bagarre à tous les niveaux dans le peloton des Peugeot 106. D'autres sont déjà passés par là, Hugeux, Yosen, Weisenberger pour ne citer qu'eux. Alors lorsque l'on demande à Eric Groes s'il craint d'être confronté aux grosses pointures, il reste assez décontracté. Il roule très bien, mais voilà. No problem. Mmh.
Les Ferrari D, c'est le deuxième rendez-vous de la saison Procar. Après la domination des Peugeot à Zolder, on attendait la riposte de la concurrence et elle a bel et bien eu lieu. Mais avant cela, petit coup de zoom sur un team, le junior team d'Étienne Bonnier, multiple vainqueur des 24 heures de chevaux, qui débute cette saison en Procar. L'apprentissage est assez difficile. Nouveau team, en tout cas pour ce type de voiture. Mécanos qui n'ont pas encore l'expérience de ce type de voiture, des jeunes pilotes. Les débuts ne sont pas faciles. C'est une position qui vous plaît, bien que vous ne rouliez pas ? C'est une position qui me plaît de m'occuper de ce team, de l'ensemble de ce team, avec toute cette bande de mécanos, cette bande de jeunes pilotes qui en veulent et qui sont déterminés. C'est un challenge, j'aime les challenges et j'aime être là, mais j'espère que ça va aller mieux. Côté pilote, place aux jeunes. Sur la voiture jaune, Mathias Vianne et Frédéric Bonnier. Sur la verte, Vanina X et Sylvie Delcourt, qui ont des ambitions modérées et tout à fait réalistes. Même pour moi, mes ambitions, c'est d'apprendre énormément. C'est un début pour moi, c'est tout nouveau la propulsion et apprendre, à m'améliorer à chaque course et voilà quoi. Les filles sont modestes, du côté des garçons par contre, on est prêt pour la bagarre. Même s'il y a encore pas mal de boulot à battre pour mettre la voiture au point à 100%, ils ne visent qu'une et une seule place. À la première, mais cette saison je pense que ça va être difficile parce qu'il y a des équipes d'usine qui sont quand même beaucoup plus développées que nous, qui ont des beaucoup plus gros budgets. Mais je pense que parfois il y a moyen de faire des petits coups d'éclat ou des bons petits résultats. Et voilà, la journée d'essai de samedi se termine comme le dimanche a commencé, c'est-à-dire sous la pluie, une pluie qui ne nous a toutefois pas empêché de partir à la rencontre d'un pilote pour notre séquence petit déjeuner d'avant-course. Bonjour Didier. Ah Christophe. On vient prendre le petit déjeuner. Mais je suis pas prêt. J'arrive dans deux minutes, tu descends déjà au petit déjeuner, j'arrive. Pas de problème. Ok, à tout de suite. Au petit déjeuner, je prends jamais grand chose parce que si je mange le matin, je suis malade. Donc un petit jus d'orange et puis c'est terminé. La course, ça représente une grosse partie de ma vie puisque j'ai commencé à l'âge de 9 ans en karting. Jusqu'à 11 ans, puis j'ai arrêté de 11 ans à 18 ans, j'ai repris en voiture. Et c'était une passion familiale, puisque mon père était passionné avant moi de sport mécanique, puisqu'il a été vice-champion de Belgique de kart derrière Didier Theys, à l'âge de 39 ans. Donc il a commencé très tard. Et c'est lui qui m'a inculqué cet amour de la mécanique et du sport automobile. Est-ce que vous avez parfois peur dans votre voiture de course ? Non, dans la voiture de course, jamais. Jamais. Je déteste rouler sous la pluie, par exemple, sur la route. Et j'adore rouler sur la pluie en circuit. Parce qu'à partir du moment où on est sanglé, on a une voiture qui est prévue pour, tout le monde va dans le même sens. Les gens sont là, connaissent ce qu'ils doivent faire. Il y a des bacs à sable, il y a des pneus, il y a des rails de sécurité. On n'a jamais à faire attention à quelqu'un qui doit arriver de gauche, de droite, en face ou quoi. En course automobile, j'ai pas peur. Ce qui me fait envie en sport automobile, c'est d'abord de conduire des belles voitures de sport avec beaucoup de chevaux, parce que c'est quand même ce qui est agréable, c'est de conduire une voiture qui va vite, qui est performante. Le principe n'est pas de conduire des deux chevaux, le sport automobile, je pense, quand on y a touché la mécanique, c'est grisant et on ne veut pas s'en passer. Parce que ça procure des sensations qu'on ne retrouve nulle part dans la vie. Je n'aspire plus à conduire des monoplaces, puisqu'avec l'accident, je me suis fracturé 3 vertèbres, c'est très compliqué. Mais je pense que ce qui serait très très amusant à conduire, c'est un bon sport proto aux 24 heures du Mans, comme une Ferrari 333 ou alors une bonne GT1 Porsche. C'est toujours un rêve, parce qu'accéder à la F1 ou quoi, c'est un rêve. Mais je pense que j'ai quand même été toujours les pieds sur terre, et alors il ne faut pas trop rêver quand même dans la vie. Dimanche, 12h30, c'est le moment, c'est l'instant. Sur la grille, les deux Peugeot sont à nouveau aux avant-postes. Vincent Radermaeker devant Sébastien Hugeux. Derrière, ça se bouscule. Sur la deuxième ligne, Pilou Cortals et Thierry Tassin s'observent. Stéphane De Groot et le Britannique Grant Elliott s'élancent de la troisième ligne.
grosse angoisse sur la grille de départ, puisque la piste est à moitié sèche, le choix des pneus est délicat pour tous les teams. Willy, la piste est à moitié sèche, à moitié mouillée. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce tour de préparation ? Actuellement, je peux dire que Vincent demande de faire le choix des pneus slick. Sébastien, je n'ai pas encore eu de réponse, je ne sais pas. Le choix est toujours, je crois déjà l'avoir signalé à Zolder, le choix des pneus est toujours laissé en 90% à l'appréciation du pilote. Et les pilotes ont tous opté pour les pneus slick, sans exception. Explication. On vient d'effectuer un tour et on a pu remarquer que la trajectoire est assez sèche. Évidemment, il ne faudra pas quitter la trajectoire avec des slicks, quoi. La piste reste donc glissante. Il va falloir redoubler de prudence. Certains endroits ne posent pas de problème, mais les zones humides du tracé restent très piégeuses. Le trois quarts du circuit est sec et l'autre quart naturellement est mouillé. Mais maintenant, ça va être un peu limite parce que dans le quart qui est mouillé, c'est un endroit où c'est beaucoup de changements d'appui. Et ça va pas être facile à mon avis, en tout cas le premier tour. Et il y en a qui vont se faire piéger. Vous êtes à bord de la voiture de Pierre-Yves Cortals pour les premiers mètres du tour de chauffe. Suivez bien des yeux Radar Maker qui explose le museau de sa 306 sur le rail. C'est tout cassé et Radar perd bêtement le bénéfice d'une pole en première manche. Il y a vraiment de quoi se mordre les doigts. Vincent, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en chauffant les pneus tout bêtement, comme un débutant. Il faut rabîmer la voiture ? Ouais, quand même, ouais. Réparable ou pas ? Je sais pas, je vois pas dire. J'espère. Le tour de chauffe se termine donc sans Radar Maker, ce qui est tout bénéfice pour Cortals, qui s'élance sur la partie sèche du circuit, sans personne devant lui. Cortals profite de l'opportunité pour prendre la tête au pied du raidillon. De Groot le suit comme son ombre dans la ligne droite des combes. Stéphane De Groot profite de l'aspiration pour piquer Pilou au freinage. Au sommet du circuit, De Groot est leader, suivi par Cortals et Tassin, qui a également réussi un excellent départ. Durant quelques tours, Cortals suit le train de De Groot lorsqu'il hérite d'un drapeau noir. Willy, c'est une grosse déception. Pourquoi est-ce que Pierre-Yves hérite d'un drapeau noir? Ben apparemment, décision de direction de course, il aurait volé le départ. Il était pourtant dans les échappements de Stéphane De Groot. Ben oui, mais je n'ai pas d'explication, je ne sais pas dire. L'explication la voici. Lors du départ, Cortals, troisième sur la ligne, a pris la place de Radar Maker. Le règlement veut que les pilotes, lors du départ lancé, ne dépassent pas avant d'avoir franchi la ligne. Dans le cas présent, Cortals est le premier à couper la ligne. Il a donc passé Ugeu avant le départ et mérite le stop and go que la direction de course lui a infligé. La rage au ventre, après son retour au stand, Pilou repart comme un fou et nous offre une très jolie pirouette aux combes. Ça va mal. En tête et débarrassé de Pierre-Yves Cortals, Stéphane De Groot creuse le trou. Le pilote Honda est bien décidé à s'imposer et personne n'est réellement en mesure de tenir son rythme. Tassin précède Ugeu et Hyde qui s'échangent la troisième place de virage en virage. Mais malheureusement, pour Thierry Tassin, après quelques tours, il regagne son stand avec un moteur qui refuse tout service. Thierry, que se passe-t-il? Ben, je vais mettre le moteur en marche et vous allez regarder. Vous êtes sûr que vous voulez que je mette le moteur en marche, hein? Il n'y a rien. J'ai sorti de la chicane et ça a fait un panache de fumée. Et plus rien. C'est fini pour la deuxième manche aussi alors? On va voir, on a eu un week-end qui a très mal commencé depuis le début, donc généralement quand il commence mal, il se termine mal. Suite à un sur-régime, le moteur de l'Integra est cassé. Avec la seule Peugeot 306 qui reste en piste, Sébastien Ugeu défend sa deuxième place, qui dans le cadre du championnat lui convient à merveille. Le solennaire sur la Honda numéro 4.
Mais l'homme de cette première manche est un novice du procar. Philippe Tolener découvre la discipline et pourtant, à la sueur de son front, il se hisse en troisième position. Un superbe résultat pour le deuxième pilote du team PSI. Après un embrayage grillé, une sortie de route à Zolder, Stéphane De Groot s'offre enfin cette victoire qu'il méritait depuis longtemps. Dans le clan PSI, on jubile. Je suis très très content, je veux dire, pour moi, pour mon équipe, pour tout le monde qui nous soutient, par le fait que la saison a très très mal débuté à Zolder. Ben, ici, apparemment, je veux dire, on a un peu la joie de notre côté et on espère le redoubler alors à des essais. De Groot gagne avec une Honda rapide et agile face à une Peugeot alourdie de 30 kg, mais qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. C'est vrai que de faire une pole position, de faire une victoire, c'est rassurant pour tout le monde. Puis maintenant, il peut se passer ce qui se passe, c'est la course. Mais là, on sait qu'on a le potentiel. Et puis maintenant, c'est à nous de le développer, de le confirmer durant la saison. Sébastien, j'ai l'impression qu'avec 30 kg en plus, la Peugeot, c'est un petit peu plus difficile, non ? C'est peut-être finalement les 30 kg qui font une légère différence, effectivement, dans les combes et tout ça. J'ai pu remarquer qu'on n'était pas aussi bien à l'aspiration que d'habitude. Oui, franchement, je m'y attendais pas. J'ambitionnais cette année-ci de faire un podium. Une troisième place, j'aurais été content, mais si tôt, non, franchement. À Zolder, j'étais très tendu, très stressé. C'était la première course, j'étais impressionné. Ici, ça a été beaucoup mieux. La voiture était beaucoup mieux réglée. Et puis, j'adore Francorchamps. Donc, je suis très à l'aise. Et la bagarre a été très serrée ici avec le quatrième Elliott. Ça a été très tendu pendant toute la course. Et en fait, je suis exténué. Pendant que Philippe se repose entre les deux manches, chez Peugeot, on travaille pour réparer la voiture de Rader. La 306 est comme neuve, pourtant il y avait pas mal de casse. C'est la carrosserie principalement, le radiateur était arraché également. Donc c'est de la mécanique, carrosserie redressée et tout. Les longerons qui tiennent les ailes et le capot étaient très pliés, donc il fallait redresser tout avec des vérins. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait en deux heures de temps. Sur la grille de deuxième manche, De Groot s'élance en tête, juste devant Hugeu, à un peu plus de 1 dixième de seconde. Cortals et Radermaker sont en embuscade. La 306 numéro 17 est donc en état, tout comme la Honda de Thierry Tassin, qui a signé le cinquième temps des essais aux côtés de Bart Head. Sur la grille, il y a pourtant un absent. Pierre-Yves Cortals est bloqué en dessous de l'allée des stands. Stéphane Cortals part du dessous des stands, il est arrivé trop tard, c'est bien pour vous ça? C'est une bonne nouvelle que vous m'annoncez là. Et bah effectivement, au moins il y en a, au plus on rit. Donc voilà. Arrivé trop tard pour se présenter sur la grille, Pilou est obligé de s'élancer derrière tout le monde. Un week-end maudit pour Renault. Ça avait bien démarré, mais le problème c'est que oui, là... ça démarre très mal parce que le drapeau noir en première séance et enfin en première course. Et ici on a eu un problème avec un tuyau de direction récalcitrant. Et le problème c'est que la voiture ne sait pas partir sans ça, sinon la voiture est inconduisible. Et voilà le résultat. Pourquoi est-ce qu'il est là en fait? Parce qu'il est monté sur la piste avant, après les 15 minutes. Donc c'était trop tard. De Groot gère très bien son départ et la Honda se présente en tête au raidillon. Le troupeau suit sans Cortals qui est contraint de s'élancer après le passage des 10 petites 106. Au combe, De Groot vire en tête devant Hugeu, Tassin et Radermaker. Mais le pilote de la Peugeot attaque à l'entrée du double gauche. Rader prend la troisième place. Pour Cortals, par contre, rien ne va plus. Un roulement de roue a cédé, c'est l'abandon. Triste week-end pour le petit liégeois. Une Honda, deux Peugeot, puis à nouveau une Honda. La bagarre qu'on nous avait promise va-t-elle avoir lieu? Eh bien oui, elle va avoir lieu, mais pas pour la victoire. Tassin et Radermaker se battent comme des chiffonniers pour une place sur le podium. Finalement, l'expérience de Tassin prendra le dessus sur la pointe de vitesse de Radermaker. Étonnant Tassin qui casse un moteur en première manche et assure le spectacle deux heures plus tard. Marc, qu'est-ce que vous avez fait sur la voiture de Thierry entre les deux manches? Bien, nous avons changé de moteur. Vous aviez un moteur? Oui, on en avait un dans le camion. Il était explosé, on l'a changé. Je pense que l'équipe a réalisé un très grand exploit. Je ne croyais pas qu'on allait y arriver. Je suis très content. Radermaker et Tassin vont tenir en haleine les spectateurs, mais également Willy Papeguet.
Malheureusement, la course sera interrompue prématurément suite à une sortie de route spectaculaire d'un des pilotes 106. C'est finalement Tassin qui terminera troisième derrière Hugeux et l'homme du week-end, Stéphane De Groot. En Peugeot 106. Stéphane, est-ce qu'on s'habitue à la première marche ? Non, jamais. On n'a jamais assez soif de victoire. Non, je suis vraiment très très content parce que là, en plus, en deuxième manche, on a fait une belle bagarre avec Sébastien. La Peugeot, elle est vraiment bien. Et au début, j'étais un peu inquiet parce qu'il revenait très fort. Enfin, il était vraiment là et c'était une séance qualif pendant 30 minutes. Sur le podium, le pilote De Groot a remis son habit de clown et c'est du grand spectacle. Après 4 manches courues, Sébastien Hugeux mène la danse au championnat devant son équipier Vincent Rademaker. Tassin, De Groot et Huisman suivent les pilotes Peugeot. Lors du prochain rendez-vous à Zolder, le week-end du 31 mai, la Honda de De Groot héritera de 30 kilos de l'Est. Peut-être aurons-nous donc un autre vainqueur, le championnat prend enfin son envol. Comme lors de chaque week-end, un pilote est récompensé par un prix de la presse. Ce week-end, c'était bien entendu Stéphane De Groot, le lauréat, et c'est un de nos confrères de la presse écrite qui a mené l'interview. Stéphane, prix de la presse, ça s'explique, une pole, deux victoires et le tout devant Jackie X, c'est le rêve quoi. Ah oui, mais c'est vrai que c'est bien que vous parliez de Jackie X parce que j'ai roulé avec Vanina en compact et j'ai gagné le même jour que son papa, ici à Francorchamps. Donc c'est vrai que hier en voyant la course de Jackie, j'étais vraiment ému parce que c'était formidable de voir Jackie avec son casque, avec cette voiture à Francorchamps. C'était vraiment une grosse émotion. Et je ne savais pas que j'en aurais deux autres aujourd'hui, puisque effectivement j'ai gagné les deux courses. Et le prix de la presse, ben, ça me fait très plaisir, parce que ça me touche beaucoup, parce que sans la presse, on ne peut pas vraiment avancer, nous, pilotes, parce qu'on a besoin d'eux pour montrer ce qu'on sait faire, et sensibiliser les sponsors, les constructeurs, donc ça me fait très plaisir. Si vous aussi vous désirez voir Jackie X au volant de sa Ferrari, rendez-vous la semaine prochaine dans Racing. Même chose pour la course des petites 106. Pour voir les hommes du Procar en chair et en os sur la piste, c'est les 30 et 31 mai à Zolder, lors du mémorial Stéphane Bellof. Avant d'un petit peu parler Formule 1, Racing vous propose un numéro spécial Procar. Le Procar qui le week-end dernier était à la campagne et sous le soleil, spectateurs, mécanos, pilotes et aussi journalistes ont eu très chaud. Avant de vivre les courses qui ont été des plus disputées, la caméra de Racing s'est rendue dans un hôtel de la région, le temps de prendre le petit déjeuner. Bonjour, oh, excusez-moi, je voulais voir Mademoiselle X. C'est moi. Ah, je t'avais pas reconnu, on se retrouve au petit déjeuner. Au petit déj. Tout de suite. Honnêtement, est-ce qu'il y a 3 ans, quand Stéphane vous a proposé de conduire une première fois une voiture, vous pensiez que vous en seriez là maintenant ? Non, pas du tout. Pas du tout, je ne pensais pas me prendre au jeu aussi vite et autant. C'est à cause du sang qui coule dans vos veines, ça ? Et je n'en sais rien. C'est l'éternelle question. Est-ce que c'est génétique ? Est-ce que... Il y en a beaucoup qui vous diront que j'essaye de me rapprocher de mon père avec ça. Mais je pense que j'aurais baissé les bras plus vite, si c'était le cas. Je cherche à être bien parmi les hommes. Je n'ai pas trop envie d'être considérée comme une fille au volant. Je préférerais... avoir ma place parmi les hommes. Mais en même temps, ça a quelques avantages, non ? D'être une fille au volant. Ah oui, mais c'est grâce à ça que j'ai pu commencer, notamment, et aussi au fait que je m'appelais X, certainement. Est-ce que dans votre famille, ceux qui ont connu justement sa carrière à lui n'ont pas un petit peu des appréhensions de vous voir démarrer une carrière comme celle-là, ou est-ce que ça leur plaît vraiment ? Dans ma famille, on n'en parle pas vraiment. Du côté de mon grand-père, en tout cas, il aborde ça
très légèrement. Il me parle toujours de mes études, mais jamais de mes courses. Côté de mon oncle Jean Blaton, on n'en parle pas beaucoup non plus. Je ne le vois pas énormément. Et c'est un peu... C'est comme un sujet tabou. Je ne sais pas très bien ce qu'ils en pensent, mais je pense aussi que les circuits ne sont plus du tout ce qu'ils étaient. Il y a beaucoup, beaucoup moins de dangers qu'à l'époque. En plus, ces voitures-ci vont moins vite que celles que conduisait papa. Et de ce fait-là, je cours moins de dangers, forcément. Vincent Radermacher réalise le meilleur temps en 2 minutes 03 979. Sébastien Hugeux, son coéquipier, est à 62 centièmes. En deuxième ligne, on retrouve Cortal Seskeusman. Quant à la troisième ligne, elle est composée de Tassin et Elliott. Pour l'avant de la grille, on retrouve le même scénario que celui des 24 heures de Francorchamps avec les deux Peugeot en tête de la grille. Vincent Radermacher part devant son coéquipier qui navigue pour l'instant en tête du championnat des pilotes. La fin de saison se dessine à l'horizon et Hugeux est mieux placé que Radermacher au championnat. Vincent va-t-il disputer cette course en aidant Hugeux ou opte-t-il pour une course personnelle? Vincent, la question du week-end, c'est y a-t-il une tactique d'équipe chez Peugeot? Non. Merci. Pierre-Yves, idéalement placé en embuscade. En embuscade, carrément. No fear. Tactique de course, c'est quoi? Tactique de course, il faut que je sois devant Hugeux et devant Tassin pour le championnat. Donc, c'est au moins être deuxième. Et justement, Thierry Tassin, mais il n'est pas bien loin. Vous êtes dans une position pas vraiment idéale, hein, derrière les deux Peugeot et derrière Pierre-Yves. Alors, votre tactique de course, c'est quoi? Eh bien, pas vraiment idéale. Vous avez bien remarqué la situation. La tactique, on verra bien. Ça dépend beaucoup de la première ligne droite du premier virage ici. Au warm-up, la voiture marchait bien, mais il faisait frais. On va voir maintenant avec la chaleur et on va attaquer. L'excellente performance des essais réalisés par Skuysmans au volant d'une Nissan en meilleure santé. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? C'est d'être en deuxième ligne ou d'être devant Vincent? Mais non, Vincent est un coéquipier, on travaille ensemble, c'est un très bon pilote. Je pense qu'il a peut-être eu un petit problème, je pense qu'on est plus ou moins égal. Et je suis donc surtout content pour l'équipe parce qu'ils ont beaucoup travaillé d'être devant. À 13h15, sous un soleil pesant, les pilotes s'élancent pour 30 minutes de course torride. Les deux Peugeot réalisent un excellent départ. Hugeux se cale dans les échappements de Radermacher et tente de l'intimider. Mais comme vous le voyez, Vincent reste maître du leadership. Derrière les deux 306, Thierry Tassin et Pierre-Yves Cortal s'offrent une lutte intense pour le gain de la troisième place. Suivent ensuite Vincent Vos, auteur d'un très bon départ. Derrière lui, on retrouve son coéquipier Dirk Skuysman, suivi du Britannique Grant Elliott. Radermacher en tête aligne les bons chronos tour par tour, il creuse déjà l'écart face à ses poursuivants. Derrière par contre, ça chauffe. Hugeux, Cortals et Tassin sont dans un mouchoir. Cortals est dans les échappements du jeu qui freine un peu tôt. Cortals touche la 306. Et passe dans l'aventure, le leader du championnat a perdu deux positions puisque Tassin, en observateur, a bénéficié de la petite sortie du jeu pour se placer en troisième position. Et le pilote ELR ne va pas se contenter de cette position puisqu'il passe Cortals à la chicane. Pierre-Yves s'incline très sportivement et se retrouve alors à la troisième position. En tête de la course, le leader Vincent Radermacher est bien seul, mais il va néanmoins s'offrir une petite faute en ratant son freinage, ce qui permet à Thierry Tassin de revenir en force sur le pilote Peugeot. Vincent ne se déclare pas vaincu pour autant, puisqu'à la chicane, il retarde, vous allez le voir, son freinage au maximum pour contrer l'attaque de la Honda. Il conserve néanmoins sa première place, tandis que derrière, on note l'excellent retour en force de Cortals. Mais la lutte pour la première place n'est pas finie puisqu'au freinage de la longue ligne droite des stands, Tassin déboîte et tente de passer à l'extérieur, exercice très délicat qu'il ne réussit pas puisqu'il rate son freinage et perd ainsi le bénéfice de sa deuxième position au profit de Pierre-Yves Cortals qui a bien réagi en observant la manœuvre de Tassin et qui est passé.
Derrière les leaders, on retrouve la lutte pour la quatrième position. Elle s'annonce incisive entre Hugeux et Elliott. Sébastien rate cette fois son freinage. C'est l'étonnant Grant Elliott qui se retrouve très près d'accéder au podium. Un podium qui va se concrétiser pour le Britannique puisque Tassin en complication avec des freins capricieux rate tout d'abord son freinage à la chicane. Ensuite, il va aller percuter le malheureux Nicolas Kropp qui venait de prendre le commandement 106 avant cet incident. Thierry Tassin, malheureusement, c'est l'abandon. Répondre. Ben oui, il vient de le dire. Des problèmes de frein. On va regarder. Il fait très chaud et il est clair qu'on n'a jamais roulé avec une température comme ça. On va voir. Comme nous l'a précisé Marc Van de Ghen, les conditions atmosphériques sont extrêmes. Ce week-end à Chimay, les freins, les pneus, les moteurs et les pilotes ont beaucoup souffert. Et en ce qui concerne la voiture de Thierry Tassin, les mécaniciens s'affairent autour de la Honda pour tenter de la remettre en état pour la deuxième manche. Ce dépassement justement sur les 206 était un peu osé, non ? En passer une, non. Je pense que ça posait pas de problème d'en passer une. En passer deux, non, mais je voulais pas en passer deux. Je voulais en passer une et puis... Attention. Et puis passer à la corde. Donc le but, c'était pas d'en passer deux d'un coup, mais à partir du moment où ça s'est bloqué et que j'ai plus freiné, j'ai glissé tout droit, quoi. Et je les ai percutés, donc... Désolé. Sur la troisième marche du podium, on retrouve pour la première fois cette année le très prometteur Grant Elliott, très ravi de sa performance. Je suis vraiment super content. On attendait ce podium depuis le début de la saison. C'est une grande satisfaction. Vous appréciez ce circuit ? Oui, j'aime bien. C'est un peu difficile de dépasser, mais c'est un bon circuit, très amusant. L'opportunité et la ruse ont permis à Pierre-Yves Cortals de terminer sur la deuxième marche du podium. Avec la chaleur, les pneus ne se sont pas trop dégradés pendant la course ? Si, vers la fin, surtout dans les droits, parce que tu vas me dire, il y a que des droits ici, mais il y a deux droits qui sont très très importants, et dans ces deux droits-là, c'était assez difficile de... que ça ne s'ouvre pas. Pour le championnat, c'est pas mal. Hein. Ça doit être bien. Sur la plus haute marche du podium, on retrouve Vincent Radermaeker qui réalise la course parfaite. Il renoue avec le succès puisqu'il n'avait plus gagné depuis la première course de la saison. L'important pour lui maintenant est de gagner à nouveau des courses. Le phénomène des 24 heures à double point m'a complètement mis hors course au championnat, donc je ne réfléchis plus à rien et j'essaie de gagner les courses en prenant les risques qu'il faut et en essayant de rester sur la piste. En Coupe 106, c'est Olivier Bruxiola qui signe la pole en première manche devant Nicolas Kropp. Luigi Vroman est l'auteur d'un très bon troisième chrono devant Éric Jamard. Pierre-Yves Rozou n'est que cinquième devant Pierre-Olivier Buzinaro. Merci. D'habitude, c'est Rozou qui est aux avant-postes en 106, mais à Chimay, le pilote de la voiture bleue a connu quelques soucis moteurs, ce qui est tout bénéfice pour Olivier Bruxiola, son grand rival au championnat et auteur de la pole position. C'est vrai, maintenant je pars en pole et Pierre-Yves a eu des problèmes avec sa voiture et il part derrière. Vu ma situation au championnat, je me dois un petit peu de prendre des risques si je veux être en tête ce soir. On a eu des problèmes de moteur. Chez Kronos, ils ont regardé, ils ont fait ce qu'il fallait, comme d'habitude. On a trouvé, warm-up ça avait l'air de fonctionner, je vais te faire le tour de lancement maintenant et il me semble que le trou à mon accélération vient de revenir. Donc ce serait peut-être dû à la chaleur, etc. Bon, on verra bien, de toute manière ici il va falloir jouer la prudence et essayer de marquer un maximum de points, on compte un peu sur la chance. Une fois n'est pas coutume, la course des 106 est des plus animées. Même si Bruxiola prend le meilleur départ devant Kropp et Vroman, sa course ne va pas être des plus faciles à gérer. Olivier aime le circuit de Chimay et rapidement il parvient à creuser un petit écart sur le groupe des poursuivants. Mais derrière, Nicolas Kropp et Luigi Vroman ont mangé du lion et au fil des tours, l'avantage de Bruxiola fond comme neige au soleil. Rozou, quant à lui, tente de limiter les dégâts. Au départ, il a pu gagner une place et se retrouve donc quatrième. Mais Pierre-Yves a du mal à signer de bons chronos avec son moteur malade. Et rapidement, Éric Jamard se retrouve dans ses échappements. Jamard s'empare de la quatrième place. Rozou, quant à lui, ne parvient pas à suivre le rythme de son tombeur. «
Devant, le premier à lâcher prise, c'est Luigi Vroman. Une sortie de courbe trop rapide et Bardaf s'est lambardé. Vroman termine dans les pneus. Dommage. Nicolas Kropp a réussi à combler son retard sur Olivier Bruxelas. Les 106 sont roue dans roue et Kropp va profiter d'une petite erreur de Bruxelas pour s'emparer de la première place. Nicolas, le chien fou du peloton, est en tête. Reste maintenant à la conserver. La lutte avec Bruxelas est de toute beauté. Les 106 sont plus souvent dans les bas-côtés que sur la piste de la toute grande bagarre qui va être interrompue par un intrus. Vous l'avez déjà vu il y a quelques minutes, Thierry Tassin va ruiner la course du pauvre Nicolas Kropp qui malgré cela n'est pas trop déçu. Nicolas, il faut être mécano aussi quand on roule en 106. Bah oui, comme vous voyez, j'ai eu un petit accrochage et on va essayer de réparer ça. Thierry Tassin s'excuse mille fois, mais c'était quand même un petit peu dangereux son dépassement, non? Oui, je pense qu'il a fait une petite erreur, étant donné que nous, on était en bagarre pour la première place. Et le problème, c'est que lui n'avait personne ni devant lui, ni derrière lui, de façon proche. Donc il aurait très bien pu attendre 20 ou 50 mètres pour nous dépasser dans la ligne droite qui suivait le premier droit. Donc je trouve pas ça très malin. Rosou hérite d'une inespérée troisième place. Quant à Éric Jamard, il remonte également d'un rang et termine deuxième. Olivier Bruxelas, quant à lui, s'impose de main de maître. Le Bruxellois est passé à travers tous les pièges de la course et réalise une bonne opération dans l'optique du championnat. Une course très dure, déjà avec la chaleur. Et puis j'ai dû tenir Nicolas Kropp à distance. Il est bien revenu sur moi. Et j'ai dû rouler à 150% pour pouvoir retenir ses attaques. Et la fin de course était vraiment très dure. Dans les trois derniers tours, j'ai pu gérer puisque je me suis retrouvé seul. Et voilà, je fais une bonne opération au championnat. Donc c'est ça la principale chose de cette manche. Deuxième manche en D1, on prend les mêmes et on recommence. Les deux Peugeot sont toujours en pôle. Cortals et Skuysman en embuscade sur la deuxième ligne. En troisième ligne, la surprise du week-end, Grant Elliott aux côtés de Vincent Vos sur l'autre Nissan. Les deux Peugeot sur la première ligne, rien de tel pour ravir Willy Papeguet, le directeur sportif de Peugeot Belgique. Et quand Willy est heureux, c'est tout le paddock qui a le sourire de circonstance. Pour le départ de la deuxième manche, nous avons décidé de laisser la parole à Monsieur Papeguet, le temps d'un petit commentaire à chaud, dans le plus pur style Léon Zitrone. À vous Willy. Je regarde, oui, les feux rouges sont allumés. Effectivement, voilà le départ qui se donne, les voitures doivent rester en position. C'est bien parti, le départ des deux Peugeot. La Renault de Cortals a l'air de s'intercaler. Nous allons voir ça au premier virage droite là-bas. Comment cela se passe-t-il? Ça m'a l'air de bien se passer. Pas d'accrochage, j'ai l'impression que Vincent Rademaker et Sébastien Hugeux sont restés en tête. De loin, en effet, Willy n'a pas pu voir la bousculade entre Rademaker et Cortals de la voiture de Vincent Vos. Tout est différent puisque la bousculade laisse un trou béant dans lequel Elliott et Vos s'engouffrent pour s'emparer des deux premières places. Après son festival en première manche, Elliott mène la course en deuxième manche devant Vos, Rademaker, Cortals et Tolener. Avec une Nissan plus lourde que la Honda, Vincent Vos parvient à compenser ce handicap et rapidement le Verviétois recolle l'intégrale du Britannique. Reste maintenant à s'emparer de la première place, une première place que Grant Elliott défend bec et ongle. Vos ne parvient pas à trouver une ouverture, la lutte va durer quelques tours. Grant Elliott est un peu plus lent que ses poursuivants, mais il ferme très proprement les portes. Et Vos s'impatiente dans l'une des chicanes du circuit. Vincent va tenter sa chance. Le drapeau jaune est présenté au pilote, interdiction donc de dépasser. Mais à la relance, le pilote Nissan se porte à la hauteur du leader et le passe en sortie de chicane. Mais cette manœuvre est illicite aux yeux des commissaires. Il est interdit de dépasser sous régime de drapeau jaune. Avant d'avoir franchi un drapeau vert, Vincent a entamé sa manœuvre de dépassement avant d'être dans l'angle du tissu vert. Cette manœuvre va lui coûter un stop and go. Tout est perdu pour le pilote Nissan.
Voss regagne les stands, la rage au ventre, mais la décision des commissaires est prise, elle est irrévocable, Vincent ne gagnera pas à Chimay, la défaite a un goût plus qu'amer pour le Verviétois. Je pense que pour moi, sous le drapeau vert, on peut pas passer avant. Je me suis juste mis, en effet, pratiquement à côté de lui, avant le drapeau vert, mais j'ai dépassé dans l'angle du drapeau vert. Maintenant, il faut voir quel angle les commissaires pensent avoir avec le drapeau vert, mais pour moi, j'ai passé sous le drapeau vert. Toujours est-il qu'Eliott récupère sa première place, mais cette fois, Vincent Rademaker est collé dans ses échappements. Eliott va commettre sa seule erreur du week-end. Il rate une vitesse en sortie de chicane. Rader n'en demandait pas tant. Il plonge à l'intérieur et s'empare de la première place. La Peugeot s'envole vers la victoire. Rademaker ne sera plus inquiété. Derrière, la lutte fait rage pour la troisième place. Hugo passe de gros de façon pour le moins musclée et sous drapeau jaune, ce qui lui coûtera une minute de pénalité et la troisième place. Cortals profite également de la manœuvre, mais la course de Pilou se termine quelques virages plus loin après une incursion dans les bas-côtés. Du coup, tous les espoirs de Renault reposent sur les épaules de Vanina X. Vanina se bat avec de gros et Skuysman pour la troisième place. Mademoiselle X est tout à fait dans le coup, mais une fois encore, Thierry Tassin est dans les parages. La Honda percute la Renault, Vanina est dehors, tout est fini. Décidément, Thierry Tassin ne se sera pas fait que des amis en terre chimassienne. Quand Thierry Tassin m'a gentiment poussé dehors, ce qui m'a relégué dans les derniers rangs, ensuite j'étais déconcentrée et j'ai fait une faute à la première chicane et je suis sortie de la route. Suite à la minute de pénalité infligée à Hugo, De Groot hérite d'un podium tout à fait inespéré. J'espérais pas grand-chose parce qu'il nous manque toujours la boîte de vitesse, celle qui nous faut pour aller un peu plus vite. Ça doit aller très bien, ça. Et je dois dire que... Non, sérieusement. On n'a pas cette boîte de vitesse, donc j'étais handicapé dès le départ. Donc je pouvais espérer juste des abandons devant moi pour essayer de bien figurer. Donc je suis ravi de cette troisième place. Deuxième, Grant Elliott gravit les échelons. Le Britannique se sent bien dans le procar. Il ne faudra pas s'étonner si d'ici la fin de saison, il vient voler la vedette à nos pilotes nationaux sur la plus haute marche du podium. Nous avons une autre équipe qui développe une voiture. Nous apprenons beaucoup d'eux, bien entendu. Mais je tiens quand même à dire que l'équipe Asquith Autosport a fait un excellent boulot. Avec une deuxième victoire en autant de courses, Rademaker fait oublier son passé. Dans le camion et il réalise le hat-trick et Peugeot réalise la bonne opération au championnat des constructeurs. Bon pour la suite du championnat Je sais pas, je cale plus rien du tout au championnat, je me tracasse plus, j'essaie de faire des victoires et faire de mon mieux, on verra bien à la fin ce que ça donnera. Hugo grignote quelques points à Cortals, Rademaker remonte 3e à un petit point de Pierre-Yves Cortals, Tassin est 4e. En deuxième manche de la Coupe 106, on retrouve à nouveau Pierre-Yves Rosou situé à une surprenante 8e place sur la grille. Quant à la pole position, elle est acquise par le Liégeois Éric Jamard. Oui, ça va être relativement difficile parce que j'étais confronté pendant toute la première manche à un gros problème, c'est-à-dire que ma deuxième saute. Donc j'étais obligé dans toutes les chicanes de tenir mon volant à une main et de l'autre main à ma droite sur mon levier de boîte de vitesse. Donc je pensais qu'ils allaient pouvoir remédier au problème, mais c'est pas le cas. Donc je vais devoir faire toute la course comme ça, je le sais déjà. Sur la première ligne, on retrouve Jamard en pole position suivi de Nicolas Kropp. La deuxième ligne, quant à elle, est composée de Bruxula et Luigi Vroman. Quant à la troisième ligne, elle est occupée par Mathieu et la voiture que partagent Grousse et Scheffmann.
Le départ est donné et l'auteur du meilleur temps garde le bénéfice de sa pole position puisqu'il vire en tête au premier virage. La lutte pour la deuxième place par contre est plus serrée. Bruxella deuxième se bat contre Krop pour conserver son bien. Les deux petites 106 nous offrent à nouveau un superbe spectacle tandis que Jamar creuse l'écart et laisse ses poursuivants se batailler entre eux. Au quatrième tour, c'est la surprise totale, puisque Rosou, parti, je vous le rappelle, en 8e position sur la grille, est en tête de la course. Il précède Grus, Vroman et Mathieu, qui se suivent tous à une cadence infernale. Mais l'incertitude de ce début de course est la disparition du groupe de tête. Nicolas Krop, impliqué dans l'accident, rentre au stand, c'est l'abandon. Eric Jamar a fait une mine de faire un tonneau dans un premier chicane, et moi j'étais derrière j'étais à 10 mètres derrière lui, donc pour l'éviter, j'étais tapé tout droit dans les pneus. Sur la piste, Pierre-Yves Rosou est attaqué par Grousse. Dans la longue ligne droite des stands, Rosou s'efface et perd le commandement. Pour l'espace d'un quart de tour seulement, puisque le Liégeois récupère son bien à la suite d'un dépassement très propre. Rosou cette fois s'échappe pour de bon, tandis que derrière la quatrième place se dispute entre Luigi Vroman et Olivier Bruxellia, qui est parvenu après son incident de début de course à revenir dans le coup puisqu'il subtilise suite à un effort intense la quatrième place à Vroman. Sur la troisième marche du podium, on retrouve tout d'abord Pierre-Olivier Businaro. Ensuite, et pour sa première course en 106, Pascal Mathieu parvient à signer une magnifique deuxième place. Quant à la marche d'honneur, elle est occupée par un Pierre-Yves Rosou qui ici réalise encore une très bonne opération pour le championnat. Mais bon, c'est vraiment une course de chance. Disons que j'ai pas eu de chance avec mon moteur et je l'ai récupéré sur la piste. Malheureusement, au détriment des trois premiers qui étaient à ce moment-là en tête de la course. Bon, c'est pas une victoire très sportive, mais c'est la course, c'est comme ça, j'en ai profité sans le faire exprès. C'est ma toute première course en 106, comme vous l'avez dit. Ça faisait 2 ans quasiment que j'avais pu rouler en voiture. Et j'ai vraiment progressé tout au long du week-end à chaque séance. Et je pense que c'est globalement un résultat satisfaisant, effectivement. Au championnat, Pierre-Yves Rosou avec 61 points accentue son avance sur Olivier Bruxellia qui lui totalise 52 points. Éric Jamar est 3e avec 38 points, suivi de Nicolas Krop avec 25 points. Chaque week-end, en dehors des comptes rendus de course, la presse a également certaines obligations. Entre autres, l'obligation de voter pour le pilote du week-end. Le pilote du week-end à Chimay, c'est Vincent Vos. Vincent Vos, retrouver les Nissan en tête, c'est extraordinaire. Oui, les gens de chez Nissan Motorsport Europe ont fait un très très bon travail puisque on est arrivé ici avec des voitures compétitives. On s'en est rendu compte dès les premiers tours de roue. Aux essais libres, on était rapide puisqu'on était 3e et 4e. En qualification, malheureusement, j'ai eu un petit peu de problème avec un problème de boîte. Le rapport de 2e ne pouvait pas être engagé. On a fait un assez bon début de course. Ici, en 2e manche, je me suis retrouvé 2e après le premier tour. J'ai pris la tête dans le 3e tour, je pense, et on s'est mal compris, je pense. Je pensais avoir dépassé sous le drapeau vert, mais j'ai engagé mon dépassement avant le drapeau vert, donc j'ai été arrêté au drapeau noir. Les élections permettent de mettre une performance en évidence, il va maintenant falloir concrétiser. Oui, je pense que c'est nécessaire. Je pense maintenant que tout le monde chez Nissan attend un résultat. Après ceci, évidemment, je pense qu'on va vraiment tout faire pour avoir vraiment un bon résultat à Francorchamps ou à Zolder. Ça va être encore difficile, il va falloir travailler parce qu'on sait qu'à Francorchamps, Vincent Rademacher et Sébastien Lejeux sont très rapides. Mais les Nissan ont encore beaucoup à prouver et on tient bien à le faire à Francorchamps.